STV, votre télé. Thank you.
Arsène et ses belles appoggiatures, dont ses corrupts ou encore ses solos, ce qui est quand même impressionnant hein, de le savoir. Voilà, allez quoi, injecter des appoggiatures dans des solos au saxophone. Incroyable. En tout cas, merci à Arsène. Il est au sax. Et au piano, il s'appelle Yannick Papou. À la guitare de l'autre côté, messieurs Samy. Et à la guitare basse, Noé. Voilà donc l'équipe en place pour Déditude de cet après-midi. On remercie Alain La Menace. Didier Alain La Menace sur les boutons dans le studio qui assure justement les commandes. Et surtout, on lui remercie pour ses lumières sur ce plateau. Merci pour ses belles colorations. Bon après-midi à tous et à toutes, chers téléspectateurs. Merci d'être là. Un lundi vraiment ensoleillé sur la ville de Douala, malgré la saison pluvieuse qu'on attend. Quand il pleut, on a l'impression que c'est ça qui commence comme ce matin. Et puis, il y a le soleil qui vient s'abattre sur toute la ville. Vous êtes déjà chez vous après une journée de boulot. En tout cas, merci de nous faire confiance. Confiance de rester bien devant votre petit écran. Et pour ceux qui sont encore au boulot, certainement devant leur écran au bureau, merci de bien nous regarder, de participer à cette émission en faisant des messages. Ceci uniquement pour saluer toutes les personnes que vous aimez. Au 677 14 33 28, hier, c'était la fête des pères. Une journée qui a été consacrée à tous les papas. Et j'imagine vous à la maison avec de beaux petits cadeaux pour votre papa afin de lui réitérer votre amour pour lui. Il y a des associations qui ont justement pu, je vais dire quoi, offrir des déjeuners de charité ou encore même voilà, des journées gastronomie afin de partager ce moment avec tous les enfants, tous les papas invités et même les mamans venues soutenir les papas. Moi, j'ai passé de très 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 bons moments ce dimanche et je profite ici pour remercier toutes ces personnes avec qui j'ai passé ce bon dimanche et même le week-end tout entier. Voilà maison certainement. Vous avez eu à vous trémousser un tout petit peu le samedi. C'était les mariages, les anniversaires, les baptêmes et même encore les enterrements pour certains. Vous êtes déjà dans votre ville de résidence. C'est un plaisir de vous savoir là, sain et sauf. On va remercier l'équipe de production. Monsieur Tikou Tixon pour la réalisation et le mélangeur Zipier pour le son. Sans oublier Bebel pour le maquillage, toute la sécurité, la diffusion finale. On vous remercie, on vous salue les gars. Ils sont au 10e pour vous envoyer les images chez vous. Le numéro de téléphone, c'est le 677 14 33 28, précédé du 237, uniquement pour faire des messages. Je vais discuter un tout petit peu avec mes amis qui font leur rentrée sur ce plateau. Après un moment de congé, ils sont revenus avec plus d'énergie et surtout un doigté assez spécial pour vous offrir des thèmes comme prévu pour cette émission pendant 52 minutes. Bref, on se séparera quand il sera 17h-5. Yannick Papou, bon après-midi. Bon après-midi Stéphane, bon après-midi à tous les téléspectateurs de STV. Ouais, ils jouent son beau, ils jouent son show, il est à la télé, c'est normal, il y a les petites qui regardent. Ah, et surtout, ces fans du cabaret où il évolue, pardon, les fans du cabaret où il évolue, les jeudis, vendredis. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche, mais c'est 4 jours. Oui, 4 jours. Wow, c'est plein, voire encore des cabarets qui arrivent à supporter 4 jours. C'est quand même énorme, vu que les musiciens, ah ben, ça coûte cher. Oh. Ça se passe bien dans ton cabaret? Oui, on va dire que ça se passe. Voilà, c'est le Mimosa, le cabaret qui a pris le pouvoir dans la ville de Douala. Mmh. Oui, le meilleur en Afrique centrale avec son orchestre Face Band International. Toujours pour distiller de la meilleure de musique à tous ses clients à partir du jeudi, vraiment, comme on a dit, jusqu'au dimanche. Dimanche, bal des vétérans, il faut le noter. Mmh. Voilà. Alors, jeudi, spécial jeune. Quand Arsène prendra le micro, il dira aussi que le Black and White, c'est le numéro 1 en Afrique centrale. Samy prendra le micro, il dira que The Voice, c'est le numéro 1 en Afrique centrale. Mais on s'en fout, de vos numéros 1. Arsène, Daniel, bon après-midi. Bon après-midi, Stéphane. Ça a été le concert de Hervin Guébo. Tu es son saxophoniste attitré aujourd'hui. Oui, c'est ce qui m'a fait comprendre et je suis vraiment honoré. Il n'a pas le choix, sinon il va encore qu'un saxophoniste. Je suis vraiment honoré de ce qu'il a fait pour moi. Merci de m'avoir accordé sa confiance pour pouvoir jouer à ce concert. Et ça s'est vraiment très bien passé, par la grâce de Dieu. Il y a eu un public fou, un spectacle détonnant. La salle détonnant. Était complètement pleine. Ouais. Et surtout, tes corrupts qui ont été applaudis par le public. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être autant applaudi par un monde? C'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais... Oui, ce n'est pas la première fois. Ça a ravivé plus d'émotions en moi. Ça m'a donné la confiance en moi de savoir ce que je faisais était apprécié. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais.
C'est super. Je remercie vraiment le public de l'IFC qui a été nombreux pour vraiment apprécier la bonne musique qui leur a été distillée. Et par rapport à l'école, tu es en congé déjà ou bien? Par rapport à l'école, c'est la période des stages académiques. Donc, on attend que cette période passe pour pouvoir soutenir les mémoires qui se feront en fin d'année. Waouh, super. Et toi, tu ne feras pas de stage? J'ai pas les répétitions, les studios te prennent déjà beaucoup de temps. Je n'ai pas été appelé. Bon, je pense prendre un thème académique pour soutenir. Donc. Mais il ne faut pas que tu t'amuses. Hein? Non, ça, c'est, on ne s'amuse pas avec l'école. Donc. Ok. Et le black and white, ça continue? Le black and white va bien. Tout le monde se porte bien de ce côté. On va saluer toutes les voix du black and white, toutes les chanteurs et les chanteuses. Oui, je salue toutes les chanteuses du black and white, particulièrement une. J'espère qu'elle est en train de regarder l'émission. Il salue spécialement les chanteuses. Bon, n'allez pas me demander pourquoi. Je salue toutes les chanteuses du black and white. J'espère qu'il n'est pas gerdatisé ou encore michelettisé, mais en tout cas, ce sont ses compagnons de tous les jours. Merci Arsène. Merci. Et surtout beaucoup de courage. Tu es un garçon très talentueux avec plein d'avenir. Continue de travailler et après Gebo, ce sera une autre personne. Hein? Pourquoi pas Ismaël Lowe qui dit, oh ouais, il y a un petit gars là. Bah ouais, ce sera cool. Noé Bass. Ouais. Comment tu vas, Noé? Ça va tranquille, Stéphane. Noé qui. Tu es déjà quelque part. Mais je préfère taire le nom quelque part. C'est ok. je préfère taire le nom. Ouais. Le week-end, ça a été assez mouvementé. Je me suis bien amusé avec mes collègues. Depuis, la musique a pris le dessus. Quoi. Ouais, super. Et au niveau de la famille, tout va bien? La famille, tout le monde se porte bien. Ouais. Hein. Tout le monde se porte hyper bien. Alors, on va passer la parole à présent à Samy. Samy qui est un guitariste que j'observe quand même depuis un moment. Très bon, très talentueux. Et j'aimerais qu'il fasse partie de cette équipe. Je ne sais pas, mais c'est vrai, il y a la fille qui est là. La fille a juste été empêchée. Mais ça ne gênerait pas d'avoir toujours autant de... Comme Yannick a toujours un suppléant qui est là. Bon, Arsène, parce qu'il n'y en a pas encore. Bref, je sais. Alors, Samy, c'est le petit Ngebo. C'est toi qui as joué chez Ngebo? Non, le grand frère ne te fait pas encore confiance. Il dit non, pour le concert là, parce que c'est Simplice qui a joué. C'est Simplice, non? Ouais. Comment tu vas, Samy? Très bien, Stéphane. Et bon après-midi à tous les téléspectateurs. Ton grand frère n'est pas timide. Toi, tu as l'air timide, c'est quoi? Petit juste calme, j'observe. Et les gens calmes comme ça sont très dangereux. On dit calme et profonde. En tout cas, merci Samy d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. On espère que tu répondras toujours présent à chaque fois que nous aurons besoin de toi. Excusez-moi, je suis en train de déranger la lumière, derrière la menace là. Ça va mieux maintenant? Pas tout, on a besoin de moi, j'y suis. D'accord. En tout cas, tu es quelqu'un d'assez pro et tu sais ce que tu veux. C'est ça qui est bien. Merci Samy. Merci. Alors, chers téléspectateurs, dans un instant, ils vont nous proposer un autre thème, une autre musique à jouer instrumentalement. Et puis moi, je prendrai vos messages au 677 14 33 28. C'est l'occasion ici pour moi de faire un énorme bisou à la petite Coralie du côté de Yaoundé et bien de choses à son papa, Monsieur François Jocelyn Outou, sans oublier sa maman Simone. Gros bisous à vous du côté d'Yaoundé. J'espère que les vacances pour la petite Coralie se passent bien. C'est quand même difficile quand les enfants sont en vacances. Ils s'ennuient davantage. C'est comme ça qu'ils vous font dépenser à toute heure. Ils veulent manger. Et vivement que les vacances la finissent. Restez tranquille en tout cas. On écoute une fois de plus le Déditude Musicale. Bande Arsène, Yannick, Noé et Samy. Chers téléspectateurs, on se retrouve juste après. Thank you.
Alors, très 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 beau thème proposé par, ce n'est pas ce numéro TIC ou le 677 14 33 28, c'est pour réagir par SMS. Et pour tous ceux qui sont hors du Cameroun, n'oubliez pas, le code téléphonique dans notre pays, c'est le 237 pour pouvoir accéder sur ce plateau. C'est un plaisir d'écouter Segar dans ces thèmes assez, assez difficiles à reproduire hein, pour les habitués de cabaret. Vous comprenez que voilà, il faut vraiment travailler pour pouvoir y arriver. Et les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment doivent être hyper satisfaits de ce résultat qui est produit par ces musiciens. Merci à vous les gars. Allez, on va prendre vos messages au 677 14 33 28. Salut, salut. Je suis Divine de Yaoundé. Je surkiffe. Ah ouais, l'émission. Et beaucoup de courage à vous. C'est frère sur ce plateau. Bah ouais, oui, c'est quand même l'éditude musicale bandaise. C'est des gars très calés. Bonsoir, comment faire pour être au studio pour voir l'émission en live? C'est Rosine de Yaoundé, Essos. Essos. Ah bah ouais. On va déjà essayer de remercier tous les téléspectateurs d'Essos pour ceux qui. Voilà. Il faut dire que STV, c'est là-bas que STV est logé, non? À Essos. Donc pour ceux qui ont souvent des informations et qui souhaiteraient en avoir de STV, vous vous rendez du côté des SOS et vous trouverez justement une bonne équipe là-bas pour vous accueillir. Alors Rosine, ce que tu dois faire, c'est déjà de venir à Douala, hein, parce que nous sommes à Douala, nous sommes basés à l'immeuble Kassab, c'est au centre-ville d'Akwa. Merci surtout de nous faire confiance et toujours nous regarder. J'apprécie votre émission depuis le Bénin, c'est Eline Niga. Indicatif téléphonique 229. Effectivement, du côté du Bénin, sachez qu'il y a quand même une forte communauté béninoise au Cameroun que nous allons profiter pour saluer à l'instant le pasteur Dessous du côté de Bonabéry, Bonassama, qui est justement l'initiateur de l'église, comment ça s'appelle encore l'église là? L'église de Marius là, c'est quoi? Le christianisme céleste, voilà, qui est donc ce pasteur qui a fait venir l'église du christianisme céleste au Cameroun. Le pasteur Dessous, ceci depuis 1989, je crois. Et on va saluer Marius Dessous, son fils, qui est saxophoniste et pianiste, sans oublier toute la communauté béninoise qui nous suit. En tout cas, merci à cet ami du Bénin qui vient de nous. Soit retenu contre vous devant le tribunal. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ne dis pas bonjour, on te porte plainte, quoi. C'est ça. Alors, merci. On va prendre cet autre message de ce téléspectateur qui dit bravo au groupe et surtout merci pour ces beaux thèmes que vous nous proposez. C'était quel thème là tout à l'heure qu'il nous propose? C'est Natacha. Natacha. Merci Natacha. Alors, ils vont nous proposer un autre thème parce qu'on a dit spécial thème. Aujourd'hui, c'est la rentrée de nos musiciens de Déditude et vous, vos messages au 677 14 33 28. C'est parti pour une autre proposition musicale. C'est tout de suite et maintenant. Thank you.
que les gars ont. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris, les amis? Vous avez mangé quoi pendant vos congés, vos congés là? Il y a plus de punch. Et vous avez constaté qu'Arsène, il est revenu avec un nouveau sax. C'est un sax en... un sax alto, mais en saphir. Vous avez vu ça? C'est du saphir, ça. On ne dit pas une pierre, mais je parle de la couleur. Waouh! Mais non, mais c'est bien. Ça dit que c'est, il a son quatrième saxophone là, mais c'est cool. Coupe du monde féminine, nous sommes en France depuis que la compétition a commencé. Il faut dire que les Françaises sont vraiment les plus avantageuses. Elles se battent beaucoup. Et il y a les États-Unis qui ont fouté, ou c'était la Thaïlande, 13-0. Je me suis demandé si c'était un match de football ou un match de basketball. Mais en tout cas, le Cameroun a eu sa dose. Et pour la troisième journée qui s'annonce aujourd'hui, vous aurez la Chine et l'Espagne. Ce sera tout à l'heure à 17h. L'Afrique du Sud contre l'Allemagne, les heures vont se jouer simultanément parce que c'est quand même la troisième journée, il faut éviter la tricherie. Et le Nigeria croisera le fer avec la France à 20h. Alors, voilà un match qui s'annonce très serré et toute l'Afrique sera derrière le Nigeria ou encore l'équipe nigériane qui, jusqu'ici, quand même, prouve qu'elle peut avec ce jeu tactique qu'elles arrivent quand même à imposer sur le terrain. Alors, mais les amis, il y a quand même eu une image qui a circulé sur la toile. Je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi. Le dernier match du Cameroun, c'est contre quelle équipe encore? Contre les Pays-Bas. C'est contre la Nouvelle-Zélande. Contre les Pays-Bas. Alors, il y a un moment donné, pendant une petite pause, là, le ballon était sorti. Voilà. Aboudi, qui voulait de l'eau, elle va vers une joueur adverse pour lui demander de l'eau. Et cette dernière refuse. Voilà, donc sa coéquipière qui sort pour lui donner plutôt la bouteille. Aboudi qui prend et verse sa tête. Dégage, moi. Est-ce que vous croyez qu'elle a eu... Est-ce que la footballeuse a eu tort de refuser de l'eau? Yannick, tu trouves que c'était pas fair play, c'était un peu quoi? Vous prenez le micro, hein. Il y a le micro là devant. C'était pas fair play. Bon, on va voir ça sur cet angle, parce qu'il faut l'analyser, je pense, sur deux angles. Ouais. Le premier, c'est vrai que de prime abord, c'est pas fair play, mais ouais. Faut savoir à qui appartenait. Peut-être elle avait d'autres intentions. Je parle de cette joueuse qui a refusé la bouteille d'eau. Refusé, ouais. Voilà. Peut-être elle avait besoin de ça pour son utilisation personnelle et elle ne trouvait pas approprié à ce moment de donner. Donc c'est passé sur la toile comme ça, et puis les avis, je pense qu'il n'y a pas eu trop de commentaires, mais c'est une image qui parle beaucoup, et chacun devrait tirer une leçon de cette image. Arsène, qu'est-ce que tu en penses? Tu as ton adversaire qui boit de l'eau, vous êtes sur un terrain de foot, ton adversaire boit de l'eau, tu viens lui demander la bouteille parce que tu veux également étancher ta soif, il refuse, tu vois? Oui. Et quand son coéquipier te tend l'eau, tu prends et tu vas sur... Bon, là, on comprend que c'est parce qu'elle a été frustrée au départ. Oui, elle a été frustrée. Elle a vraiment été frustrée. Elle a pris certainement, elle s'est dit que le joueur, la joueuse du Pays-Bas a eu une mauvaise réaction par rapport à elle. Et peut-être elle s'est dit que c'est d'une part du racisme. Oui. Oui, elle s'est dit ça. C'est forcément, comme nous, on se connaît, les Camerounais. Il y a d'autres qui ne savent pas calmer leur sang froid, qui ont toujours du sang chaud, vont réagir de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'elle a réagi de cette façon. Moi-même, je ne sais pas si j'étais à sa place, j'aurais peut-être fait pareil. Parce que ça doit l'avoir tellement choquée. Mais vous savez, moi, par exemple, dans mon club de sport, le coach exige que chacun ait sa bouteille d'eau. Tu vois? Et il refuse que, n'accepte pas que les bouteilles soient partagées. Donc, ça dépend aussi de comment est-ce que, je ne sais pas, ce n'est pas une bouteille qui est personnelle. Ce n'est pas une bouteille qui est personnelle. Ça, c'est quand même une bouteille que, voilà, c'est l'équipe met à la disposition des joueuses. Et on a souvent vu sur des terrains de foot, tu vois, un gars qui boit et puis donne même à l'adversaire. Le gars aussi coupe sa soif. Puisque, voilà, c'est pour tout le monde, en fait. Mais bon, je crois que Aboudi a réagi comme une bonne Camerounaise. En reversant ça sur...
Mais en tout cas, leur troisième rencontre risquera d'être très, très, très difficile. On va prendre ces derniers messages. Bonsoir, je suis Willy de Sa dans la Lekier. Très talentueux, merci pour l'émission. Sa, je me souviens de mon petit périple là-bas. J'avais beaucoup aimé ce village-là, surtout la viande de brousse que j'avais mangée là-bas avec le manioc, rôti avec du manioc. Là, c'était trop l'amour, quoi. Bonsoir. J'aime ces musiciens. Bonsoir à vous, moi c'est Junior Tala depuis Baouan. J'aime bien l'émission et vraiment j'aimerais bien que vous continuiez comme ça. Merci. Bonsoir, c'est Blanche de Mélène. L'émission est aimable. Bonsoir à vous. Au studio, c'est Joseph qui nous le dit. Il dit bonsoir tout simplement, le téléspectateur. Bonsoir et beaucoup de courage mon frère. Chris Arthur Djougela, il dit qu'il est un peu malade, hein? Voilà, j'espère que ça ira. Chris Arthur Djougela, il est du côté de Yaoundé, fidèle de chez fidèle. Je suis Roméo de Yaoundé, c'était très bien, courage. Je joue bien à la guitare, monsieur. Il joue bien à la guitare, monsieur, bravo. Il s'appelle Samy. Bonsoir, je m'appelle Boris. Ces musiciens sont très bons. Bonsoir, c'est Franck depuis Batoury. Je voulais savoir si l'État camerounais est devenu la dynastie Bamoun. Je ne comprends pas. Bonsoir, B. C'est qui B? Aïe, bonsoir au studio, c'est Sainty. Je vous aime tous et j'aimerais être comme vous. Comment? De gros malades et tout cela comme ça. Tu es comme... Allez, beaucoup de courage, vous êtes de bons musiciens, n'est-ce pas? Beaucoup de courage à vous, félicitations. Mon pianiste, c'est Dick Bass. Tu connais? Allez, bonsoir, c'est Charles Asiaka de Nagba. Je dis courage à ce tennis coulé de ce... Allez, on va clôturer en beauté. J'ai fait une chanson pour finir. Et ce sera pour faire plaisir à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était une entrée ou encore une rentrée de nos musiciens dans cette émission. Allez, on va finir. On va faire du classique. Alors, on a ça comme ça. Et... sans bite. Ok. Aimé aussi, je ne suis pas, on m'a parlé dans le vent. Oh, regarde, toi et moi, tu verras mes sentiments. Oh, tu m'as oh, sonné, elle est sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien pour moi, je ne veux rien que pour moi. Et à toi, je m'agrippe. À toi je m'agrippe, grippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, grippe. Tu as tout ce qu'il me faut. Yeah. J'adore ta façon
de t'habiller, tu es si coquet. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés, je m'envole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Je ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux. Je ne suis pas, on m'a parlé dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as enchanceré, telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Pour moi, je te veux rien que pour moi. Et à toi je m'agrippe, grippe. Tu es tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, grippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, grippe, grippe. Tu as tout ce qu'il me faut. Tu es si coquette, ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés, je m'envole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Je ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux, Mia. Je ne suis pas, on m'a parlé dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'encenseras telle une sirène, oh, 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 mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. Et à toi je m'agrippe, grippe, grippe, grippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, grippe, grippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, pas grippe, pas grippe, pas grippe. Tu as tout ce qu'il me faut. Oh, oh baby. Avec toi je n'ai plus de soucis. Tu me fais découvrir la vie. Elle a un goût de paradis. Je n'ai jamais eu de belle pulsion. La vision de ton corps me fait perdre ma raison. Tu as plus que belle, tu as du génie. Chérie, tu es en catégorie. Je n'ai jamais eu de belle pulsion. La vision de ton corps me fait perdre ma raison. Chérie, STV, votre télé.